Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est lui aussi né de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression. Or, vous savez que Jésus s'est manifesté pour enlever les péchés, et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pèche pas. Quiconque pèche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que j'ai dit « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi. » Car avant moi il était, et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Commentaire de Saint Cyrille de Jérusalem. Prépare le réceptacle de ton âme pour devenir fils de Dieu. Jésus-Christ était fils de Dieu. Cependant, il ne prêcha pas avant son baptême. Si le Maître lui-même disposait le temps selon un ordre, devons-nous, nous autres les serviteurs, nous montrer téméraires et brouillons? Jésus se mit à prêcher exactement lorsque l'Esprit-Saint descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe, non pas pour une première manifestation à Jésus, car il connaissait l'Esprit avant même qu'il ne vînt sous une forme corporelle, mais pour que Jean qui baptisait Jésus vît l'Esprit. « Moi, dit Jean, en effet, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'avait envoyé baptiser dans l'eau, celui-là me dit, celui sur qui tu verras descendre et s'arrêter l'esprit, c'est lui. Si tu as, toi aussi, une pitié sincère, sur toi aussi l'Esprit Saint descendra. Et d'en haut, la voix du Père se fera t'entendre, non pas « Celui-ci est mon Fils », mais « Celui-ci est désormais devenu mon Fils ». Car le mot « et » n'appartient qu'à lui, parce qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu.
et le Verbe était Dieu. À lui s'applique le mot « est ». E-S-T, parce qu'il est toujours fils de Dieu. À toi s'applique au contraire, il est désormais devenu, parce que tu ne possèdes pas naturellement, mais que tu reçois par l'adoption l'appellation de fils. Lui est éternellement, toi tu reçois la grâce progressivement. Prépare donc le réceptacle de ton âme pour devenir fils de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Or, tu te prépares utilement si tu progresses de la croyance à la ferme conviction, si tu choisis de dépouiller le vieil homme. Saint Bernardin de Sienne et Saint Jean de Capistran, tous deux franciscains, seraient à l'origine de la première ébauche des litanies du Saint-Nom de Jésus. Ces litanies furent approuvées en 1862 par le pape Pie IX. Et c'est le pape Pie XI qui décida le 2 janvier 1933 de donner l'indulgence plénière aux conditions ordinaires si récitées chaque jour pendant un mois complet. Le fidèle doit réciter les litanies du Saint-Nom de Jésus avec une tendre piété envers Jésus, car toutes les paroles prononcées sont tirées des saints prophètes et des autres écritures saintes. Et le Saint-Esprit, qui a dicté lui-même ces paroles, les a en même temps consacrées à la louange et à la gloire éternelle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, ayez pitié de nous. Jésus, splendeur du Père, ayez pitié de nous. Jésus, splendeur de la lumière éternelle, ayez pitié de nous. Jésus, Roi de gloire, ayez pitié de nous. Jésus, soleil de justice, ayez pitié de nous. Jésus, fils de la Vierge Marie, ayez pitié de nous. Jésus, aimable, ayez pitié de nous. Jésus, admirable, ayez pitié de nous. Jésus, Dieu fort, ayez pitié de nous. Jésus, Père des siècles à venir, ayez pitié de nous. Jésus, ange du grand conseil, ayez pitié de nous. Jésus très puissant, ayez pitié de nous. Jésus très patient, ayez pitié de nous. Jésus très obéissant, ayez pitié de nous. Jésus doux et humble de cœur, ayez pitié de nous. Jésus qui aimait la chasteté, ayez pitié de nous. Jésus qui nous aimait, ayez pitié de nous. Jésus, Dieu de paix, ayez pitié de nous. Jésus, auteur de la vie, ayez pitié de nous. Jésus, modèle des vertus, ayez pitié de nous. Jésus, zélateur des âmes, ayez pitié de nous. Jésus, notre Dieu, ayez pitié de nous. Jésus, notre refuge, ayez pitié de nous. Jésus, Père des pauvres, ayez pitié de nous. Jésus, trésor des fidèles, ayez pitié de nous. Jésus, bon pasteur, ayez pitié de nous. Jésus, vraie lumière, ayez pitié de nous. Jésus, sagesse éternelle, ayez pitié de nous. Jésus, bonté infinie, ayez pitié de nous. Jésus, notre voie et notre vie, ayez pitié de nous. Jésus, joie des anges, ayez pitié de nous. Jésus,
roi des patriarches, ayez pitié de nous. Jésus, maître des apôtres, ayez pitié de nous. Jésus, force des martyrs, ayez pitié de nous. Jésus, lumière des confesseurs, ayez pitié de nous. Jésus, pureté des vierges, ayez pitié de nous. Jésus, couronne de tous les saints, ayez pitié de nous. Soyez-nous propices, pardonnez-nous Jésus. Soyez-nous propices, exaucez-nous Jésus. De tout mal, délivrez-nous Jésus. De tout péché, délivrez-nous Jésus. De toute colère, délivrez-nous Jésus. Des embûches du démon, délivrez-nous Jésus. De l'esprit de fornication, délivrez-nous Jésus. De la mort éternelle, délivrez-nous Jésus. Du mépris de vos inspirations, délivrez-nous Jésus. Par le mystère de votre sainte incarnation, délivrez-nous Jésus. Par votre nativité, délivrez-nous Jésus. Par votre enfance, délivrez-nous Jésus. Par votre vie toute divine, délivrez-nous Jésus. Par vos travaux, délivrez-nous Jésus. Par votre agonie et votre passion, délivrez-nous Jésus. Par votre croix et votre abandonnement, délivrez-nous Jésus. Par vos langueurs, délivrez-nous Jésus. Par votre mort et votre sépulture, délivrez-nous Jésus. Par votre résurrection, délivrez-nous Jésus. Par votre ascension, délivrez-nous Jésus. Par l'institution de la Sainte Eucharistie, délivrez-nous Jésus. Par vos joies, délivrez-nous Jésus. Par votre gloire, délivrez-nous Jésus. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Jésus. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Jésus. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous Jésus. Jésus, écoutez-nous. Jésus, écoutez-nous. Jésus, exaucez-nous. Jésus, exaucez-nous. Prions. Seigneur Jésus-Christ, qui avait dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Donnez-nous, nous vous en supplions, un tel attrait de votre amour tout divin que nous vous aimions de tout cœur, de bouche et d'action, et que nous ne cessions jamais de vous louer, vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. »